Yes, we are. 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 It says, and the Lord spoke unto Moses, saying, speak unto Aaron and unto his sons, saying, on this wise you shall bless the children of Israel, saying unto them, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, the Lord bless thee and keep thee. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. The Lord make his face shine upon thee and be gracious to thee. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. The Lord lift up his countenance upon thee and give peace. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Now the beautiful thing about this blessing. Maintenant la chose belle sur cette bénédiction. Is the condition. C'est la condition. If you read the past three blessings, si vous lisez les trois précédentes bénédictions, it begins with the Lord. Ça commence avec l'Éternel. The Lord. L'Éternel, l'Éternel, l'Éternel. That is naming God's name upon the people before the blessing follow. Ça c'est nommer le nom de l'Éternel sur le peuple avant que la bénédiction ne s'en suive. So, when God's name is upon a people, alors lorsque le nom de l'Éternel est sur un peuple, it's an attraction of God's integrity. C'est une attraction de l'intégrité de Dieu. When we are saying we are the Lord's people, lorsque nous disons que nous sommes le peuple de l'Éternel, we are naming ourselves Lord. Nous sommes en train de nous nommer selon l'Éternel. And whenever a people of God at any time, alors lorsque également tout peuple de Dieu à tout moment, declare that they are God's people, déclare qu'ils sont le peuple de Dieu, there is a blessing of God upon their lives. Il y a une bénédiction de Dieu sur leur vie. He says the priest is responsible. Il a dit que le sacrificateur est responsable for blessing people, de bénir le peuple. But before the blessing, mais avant la bénédiction, he has to name God's name on the people. Il devait nommer le nom de l'Éternel sur le peuple. To say that Lord, pour dire Seigneur, these are your people. Voici ton peuple. Your blessings be upon them. Ta bénédiction repose sur eux. So verse 27, he now says, verset 27 maintenant il dit, that's the priest Aaron and his children. Ça c'est le sacrificateur Aaron et ses fils. Aaron and his children and his sons. C'est ainsi qu'ils, Aaron et ses fils, who are the priests, qui sont les sacrificateurs, put my name the children of Israel. Mettront mon nom sur les enfants d'Israël. And I will bless them. Et je les bénirai. So, but when did Aaron and his sons put God's name on them? Alors où est-ce que Aaron et ses fils ont mis le nom de l'Éternel sur eux? When they began blessing, saying, quand ils ont commencé à bénir en disant, Lord, l'Éternel, bless thee, bénis. The Lord cause his face to shine on thee. The Lord lift up his countenance upon thee. The Lord be gracious to thee and give thee peace. These are very serious things. Ce sont des choses très sérieuses. So when we come together like this, alors lorsqu'on se rassemble ainsi, there is no way we cannot be blessed. Alors il est impossible qu'on ne soit pas béni. But if we say, si nous disons, we are the Lord's people, nous sommes le peuple de l'Éternel. So that song can bring you a great blessing. Alors cette chanson peut t'apporter une grande bénédiction. En fait, when you acknowledge to be of God, lorsque tu reconnais appartenir à Dieu, you are qualified for all those blessings that the priest blessed the people. Tu te qualifies pour toutes ces bénédictions que le sacrificateur a béni le peuple avec. That's why if you say I belong to God, voilà pourquoi si tu dis j'appartiens à Dieu, I am the Lord, ou tu dis j'appartiens à l'Éternel, now you can say, maintenant tu peux dire, the Lord bless me and keep me. Le Seigneur me bénisse et me garde. The Lord cause his face to shine upon me and be gracious to me. The Lord lift up his countenance upon me and give me peace. And it will come to pass. So one of the reasons why we come to church like this, alors l'une des raisons pour lesquelles nous venons à l'église comme ceci, it is because c'est parce que when a people gather, lorsqu'un peuple se rassemble, the difference between this meeting and your Njangi meetings, la différence entre cette réunion et ta réunion de Tontine, is the name. C'est le nom. It's the name. C'est le nom. The Jangi group has its blessing. Le rassemblement de Tontine a sa bénédiction. Based on how it is called. Se basant sur comment ça a été appelé. Because every name attracts a grace. Parce que tout nom attire une grâce.